prendre des mesures, donner des coups de marteau, se mettre en hauteur pour effectuer d'autres tâches. Les ouvriers de ce chantier s'activent sous un soleil de plomb pour livrer à temps cette école des hauts vallons. Nous faisons de notre mieux pour fournir un travail bien réalisé, en priant Dieu de nous aider pour que tout soit OK et qu'il n'y ait aucun problème. Mes équipes sont un peu fatiguées. On ne peut pas être au top comme d'habitude, mais nous faisons le maximum. Et pour que les équipes tiennent justement le coup du rythme du travail, des aménagements d'horaire leur ont été accordés. Nous fonctionnons d'une autre manière pendant le mois de Ramadan. C'est un mois où on est fatigué, donc on commence à 7 heures. Au lieu de faire une pause à 12 heures, nous faisons une journée continue pour finir un peu plus tôt, à 15 heures. Et en ce deuxième jour du mois sacré, l'organisme des ouvriers a encore de la ressource. Travaillant dans le BTP pour la plupart depuis plusieurs années, ils ont fini par s'habituer à travailler dur sans se nourrir ni boire durant la journée pendant 29 ou 30 jours. Il n'y a aucun problème parce que nous sommes habitués à jeûner, à travailler, donc cela n'est pas si dérangeant. Quand on n'est pas habitué à ce travail, on peut être vite fatigué, mais ce n'est pas mon cas. Ils savent tous qu'après cette dure journée de travail, ils auront le plaisir de se retrouver en famille devant de succulents plats en tout genre.